Alors c'est en train de partir. Voilà, nickel. Allô, allô? Oui, là je t'entends dans le jeu, moi. Ça marche dans le jeu, je Ok. t'entends. Hein. Ah oui, je t'entends en écho aussi, ouais. Ouais, tu dois avoir un truc au niveau de ton micro. Hein. Ben, bonsoir à tous, hein, bienvenue sur le live de CrocoFR. Hein. Je suis avec Doudam et GF. Bon, bah, on revient un petit Et peu. si c'était pour mon micro, tu devrais entendre encore l'écho. Salut. Ouais, moi l'écho, je l'entends pas en tout cas dans le jeu. Hein. Ah, Mais. c'est du test. Bah oui, ça vient du test parce que de toute façon, t'es en push to talk. Dans le C'est jeu. désactivé là pour l'instant. T'es en push to talk dans le jeu, c'est pour ça. Alors attends, je vais vite fabriquer parce que là, il n'y a plus rien à. Ah, c'est vide de chez vide. Hein. Fabriquer de la poudre là pour le frigo parce qu'il n'y a plus rien qui tourne, tout est en rade. Allez hop, on va balancer ça au frigo pour qu'il parte. Allez. Ah nickel, je vais pouvoir replanter. Ah, j'ai pas entendu par contre. J'ai dit la Ah ben je l'ai pas commencé là, je suis en train de tester le jeu pour le filmer, mais c'est très très prometteur hein. Le jeu graphiquement il est beau. Donc je pense que je verrai si je le stream tout de suite. Bah j'ai pas encore préparé l'affichage pour le stream, mais bon en tout cas c'est clair que c'est pointu hein. Là, c'est assez pointu quand même. Bon, bah, là, ils ont plus rien à bouffer, là. Donc, il va falloir que j'aille les faire chasser un peu les bestioles, là. Soit je vais le mettre au frigo, même si c'est de la viande pourrie. Hein. Le kératine, on est ici. Et on met ça là. Alors ce que je vais faire, je vais prendre aussi mes pousses de narco là. On va prendre aussi là. Du fertiliseur. Je me disais merde, c'est quoi ce truc avec une tortue? Sans lire. Bam. Bam. J'aurais 4 bacs avec du narco là. Et puis genre, je crois que j'en ai découvert un autre. Là, je vais le poser aussi. Alors, c'est pas de ce bon côté. Sans balance, sans balance. Ah puis ah, putain, il y a toutes ces armes que je peux plus réparer là parce qu'il faut du fer aussi. C'est la galère quoi, il manque de tout là. Donc déjà on va les faire bouffer les deux là. Hop, prends ton niveau. On va en profiter tant qu'il fasse jour là, pour aller faire manger les deux dilos là.
déconner là. Alors. Allez-y, bouffez-moi tout là. Tiens, bouffez là, bouffez, bouffez. Voilà. On a raison, allez manger le suivant. Et on va partir chercher d'autres choses à manger. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les nourrir, hein, ces trucs. Hein. De l'autre côté, là, je voyais un stégosaure. Alors, où est-ce qu'on va aller? Ah, bah voilà. Parfait, là. Un autre dilo. Bah ouais, nickel, ça s'est bien passé, hein. Ah merde. Alors là je suis en train de faire de la boxe. Allez bouffe, bouffe. Ouais, ça s'est bien passé. Hein. Ça commence à entrer de jeu là, comme ça, que je me fight. Regardez les options parce que j'ai l'impression que la musique elle est devenue très forte hein, par rapport à avant. Bon, ça n'a pas changé. Hein. Allez, allez, choper ça. Nickel. Allez, attrapez-le. C'est moi qui ai faim et là je suis en train de courir avec eux derrière un parosaure. Hein. Partez pas trop loin non plus là. Ouais, oulala, parce que là on va pas arrêter de bouffer là. Ouais, bouffez-moi ça. Là. Bouffez-moi le trissé là. Par contre c'est pas bon là. Parce que là, on est en train de se faire attaquer aussi par un autre groupe de dilos. Ah, l'enfoiré, il me crache dessus. Allez, bouffez-moi les. Parce que je vais les désactiver du mode agressif parce que là ça devient n'importe quoi. Bah au moins ils auront à manger. Hein. Voilà le stégosaure, arrête de mettre des coups de queue là. Putain lui aussi il en met des coups de queue. Bah allez défoncez-le moi ce truc de merde là. Putain, c'est moi qui vais me faire allumer, quoi. Ah, putain, je suis en train de crever de faim tout en étant en train de me fighter. Ah, putain, c'est la merde, là. Mais venez, venez, on se tire. Parce que là, moi, je suis en train de mourir, là. Alors, pour les contrôler, les deux autres, là. Allez, putain, là, on y va. Lâchez l'affaire, on va parce que ça c'est un coup à crever. Putain de merde. Allez putain, on lâche là, pas le stégosaure. Oh,
Alors, jamais les foutre en mode agressif parce que là on est dans une belle merde et alors la musique elle est chiante comme pas possible. Là. Ouais, c'est bon. Oh. Ouais. C'est bon, la musique là elle est. Il faut vite que je bouffe parce que je suis en train de courir, de crever là. J'entends mon battement cardiaque là. Ah putain, il est en train de se faire buter. J'en ai un qui est mort. Putain, enculé de très gosard, mes couilles. Là, il m'a buté mes deux dinosaures. Putain de merde. Ah la fuck, ça commence très fort. Hein. Moi je suis en train de crever. Je sais même pas où je suis. Ah putain, où je suis paumé. Bah oui, j'ai compris qu'il faut que je trouve à bouffer, trou du cul. Ah, j'essaie de courir, je sais même pas où aller, puisque de toute façon j'ai pas de bouffe chez moi. Faut que je prenne des baies, quoi. Le problème, c'est ça, c'est que bah, là, il n'y a plus rien qui est mis dans la baraque et. Résultat, il n'y a plus de quoi survivre. Enfin, j'ai déjà quand même perdu deux dinosaures, là ça me fait bien chier. Allez, putain, merde. Ah, mais qu'est-ce que ce son à la con que j'entends là? Putain, j'ai bricolé le son là, maintenant j'ai un son à la con là. Y'a un bug là, ou quoi? On s'en balance aussi. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'arrive pas à récupérer ma vie quoi. Pas de la fièvre, je m'en fous, moi, il faut des baies là. Ah putain, mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Pourquoi je reviens pas en ville là? Toujours ce même son à la con là. Que j'ai fait. Je sais pas d'où il sort ce lien en plus.
Quelle merde, je suis en train de courir là derrière des putains de baies. Oh non, on avait des tonnes de, dans le frigo là. Qu'est-ce que ce truc là? Merde. C'est sûr, c'est pas en bouffant des merdes comme ça que ça va me soigner. Il faut vraiment que je trouve de la viande, quoi. Un deuxième là. Putain. Hein. Ta bidoche toi. Et j'ai cru qu'il y en avait deux. Allez, hop. En plus il y a un truc qui est tombé à côté là. Aller bouffer un truc là ou cuit une de la viande. Sans maintenant j'ai plus aucun carnivore, ils sont morts. Putain. Mais qu'est-ce qui se passe là? On se fait attaquer par une bestiole là. Elle a buté quoi la vachette là? Hop, ça en fera un de plus. L'autre, il a bien fait venir se jeter. Je sais pas ce que c'est que ce son de merde là que j'entends. J'ai bricolé les options graphiques, ça a tout merdiqué. Tout a merdé. Ouais, je peux chercher, je trouve pas, j'entends encore ce truc à la con. Hein. Et encore de la pluie. Alors moi qui voulais capturer un autre dinosaure, bah finalement j'en ai perdu deux. De toute façon là il n'y a plus assez de bouffe, il n'y a plus de fer, il n'y a plus rien. Déjà le stégosaure, l'autre je vais aller le crever cet enculé. J'ai buté mes deux dinosaures, lui il va crever, ça c'est sûr et certain. Je vais pas laisser ce crime de mes petits guillots impuni. Je vais aller le fumer cet enfoiré là.
C'est parti. On y va, on va aller le fumer ce trou du cul. J'aime pas me faire tuer mes dinosaures gratuitement. Alors lui là, le stégosaure, je vais le fumer. Hein. Et là-bas, ce trou du cul. Venez. Bah, moi, ce trou du cul là. De lui que j'ai perdu mes digos. Allez, là, ça fait un putain de ralentissement. Oh, grosse merde, là. Tu me reconnais? Enculé, va. Tiens, prends ça dans ta gueule. On va te fumer. Allez-y, allez, vachette. Défonce-le, lance-pierre, défonce-le. Allez, petit poids, là. Dépêche-toi, rappliquer, là. On est en train de défoncer un trou du cul. Oh putain de sa race! Défoncez-le moi ce trou du cul! Il m'a mis un coup de queue cette merde! Ils vont le fumer ce truc de merde! J'y retourne direct là! Quand l'autre stégosaure va arriver, que moi quand on sait lui mettre sur la tête, il va comprendre toute sa douleur l'autre. C'est par là, je crois. Ah putain, ils sont passés par où là? Ah, c'est par ici que c'était. Ah, c'est là-bas. Allez, la vachette, qu'est-ce que t'es en train d'attendre là? C'est bien, ils l'ont fumé ce truc de merde. Je te l'avais dit, stégosaure de merde, que t'allais crever. Là, j'ai plus qu'à retrouver mon sac là, dans ce tas de merde là. Pour aller voir un sac là, putain, là j'y vois rien du tout quoi. Ah, là-bas, là, putain, ah putain de. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain, j'arrive pas à trouver mon sac. Il est où, putain? Putain, j'aurais même pas eu le temps de le découper, cette merde. C'est ici qu'on l'a attaqué, là, je comprends pas. Oh, tiens, il y a un bug quand on est sur le dinosaure, il entend pas siffler. Ah ouais. Bah, c'est pas possible, il est où mon sac hein?
on était bien ici quoi. Ah bah voilà, encore une autre connerie là, j'arrive pas à retrouver mon sac là, je suis en train de tourner, la nuit tombe. Putain, est-ce que c'est ce truc ou c'est une putain de merde? Bah c'est une putain de merde de l'autre là. Oh putain. Je suis comme un con à chercher un sac, quoi. Oh là là, putain, il y a tout mon matos dedans, hein. Ah oh, merde quoi. Putain mais il est passé où ce putain de sac là? Je suis en train de tourner à... Je suis en train de faire des kilomètres carrés pour retrouver un sac et rien quoi. Qu'est-ce que cette merde là? Il y a un bug, c'est pas possible quoi. Il fait nuit là, putain vite là. Putain, je vois rien du tout hein. Oh, je suis trop près de la maison. Oh là là, putain. Ah, plus fait nuit, moi je vais voir quelque chose. Hein. J'y suis passé je sais pas combien de fois ici. Ah, le machin il est fatigué à force de galoper. Hein. Putain. Ouais, dégage saloperie là. Ah c'est chiant quoi. Alors en plus, alors déjà quand on perd le sac, il faut retrouver le sac, mais alors là maintenant il a, le machin il a complètement disparu. Je suis revenu quasiment tout de suite et rien quoi. Et puis j'étais bien, ouais, c'était bien ici. Hein. Putain. Oh le truc de la merde là. On a 20 minutes hein, donc c'est la nuit qui arrive là. Putain, on voit rien du tout là. C'est pas ça, ça c'est des rochers. Putain, mais où est-ce qu'il est le putain de sac là? Ça
Ça c'est quoi? C'est un rocher. Oh non. Putain de merde. Hein. Allez hop, le gamin. Prendre la tête. Hein. Pas perdre mon matos comme ça là. Quoi. Putain, je vois pas où ce qui est, ce connerie de sac, ça c'est chiant. Je suis en train de faire tout le tour là. Ben, j'étais pas si loin pourtant. Hein. Non, j'étais pas par là. Allez, pousse-toi, putain, la vachette là, qu'est-ce que tu viens me faire chier là? Pff, voilà, là, ils sont cons les dinos là. Ça, c'est des cailloux. Ah, j'étais par là, là, quoi. Je comprends pas le truc, quoi. Faire carapeter le tour quand même. On va passer là, là, on va voir si... Là, je suis parti de la baraque. Bon, on regarde bien tous les environs, là. Un caillou, caillou, caillou. Parti tout droit comme ça là. Ouais, c'est ça. Et il était là-haut là. Ah merde. Putain. Putain, qu'est-ce qu'elle est conne cette vachette aussi. Hein. Se fout en plein dans les devant le passage. Ah, on n'est pas aidé. Hein. Putain. Hein. Alors, on est parti comme ça et je l'ai vu dans le versant, donc il n'y a pas 36 solutions. Et c'est là, hein, je me suis pas trompé. Hein. Là, je reconnais le gros caillou. Là, le sac, il devrait être ici. Ici que moi, je sais comment c'est venir à le taper, là, le machin de merde. Le sac, il devrait être par là. Rien du tout, c'est pas normal ça. Bon bah ouais, bah alors je perds deux dinosaures, je perds mon sac avec tout le matériel en fer, mon armure en cuir. De toute façon c'est à moitié pété. Hein. Ça commence pas mal. Hein. Putain, je sais même plus combien de temps ça fait que je cherche. Ça m'étonnerait que ça fasse une demi-heure, une 20 minutes. Donc on va continuer.
Ah bah, je suis beaucoup trop loin là. Oh la merde que c'est quoi. Soit pour trouver un putain de sac. Hein. Là, de toute façon, là, je suis beaucoup trop loin. Là. C'est là où je devrais l'avoir mon truc. Hop, il saute dans le bordel. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici hein? Ah, il nous aura bien fait chier le stégosaure. Hein. En tout cas, il a bien crevé. Putain, rien du tout. Hein. Allez, pousse-toi. Oh putain. Oh, c'est par là où il a l'autre, il a crevé là. Ah mais c'est pas possible quoi. Bon bah je sais pas où il est hein, le machin. Hein. Machin elle a disparu de la circulation quoi. Je suis là en moins de 20 minutes et... Mystère. Machin il s'est téléporté je sais pas où. Putain de vieux bug là encore. Hein. Ah mais j'y suis passé 40 fois ici. Hein. Putain, où est-ce qu'il s'est passé ce truc de merde? Barrez-vous là. Putain, ils sont cons. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces putains de dinos là. Putain, mais pousse-toi, putain, tu vois pas que tu gênes le passage hein. Oh les cons. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Putain, mais tu vas te pousser là, nom de Dieu! Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Ils m'empêchent de me passer! Putain! Poussez où, hein? Allez hop! Crevez tous, bande de merde! Restez là! Ah, les trucs de merde, quoi!
est passé ce putain de sac? Putain, hein, par contre, hein, le Liam, elle est conne, mais ça, il faut vraiment qu'il le corrige. Putain, qu'ils sont cons, les dinosaures, ils se foutent en plein milieu du passage. Et ils nous auto-bloquent, quoi. Sont dès qu'il y en a, dès qu'on n'est pas sur un dino, c'est vite la merde, quoi. Ils se regroupent, ils suivent, et puis bah on se retrouve bloqué, quoi. Oh putain. Où est-ce qu'il est passé ce putain de sac là? Ah putain, là, on va bientôt arriver à la demi, à la 20, aux 20 minutes là. Je suis jamais venu ici, quoi. Je sais pas même pas pourquoi. C'est possible qu'il soit ici ou mon sac. Oh putain. C'est pas ça, c'est ce autre qui a imposé une merde. Hein. Là, je perds tout mon équipement en cuir, la lance en fer, la hache en fer, la pioche en fer. Tout ça pour un putain de bug là. Ça qu'il y ait pas. Quelle merde. Putain, y a rien. Putain. Et moi, je suis pas du genre à lâcher le morceau comme ça. 30-43. On va arriver à 20 minutes là. Regardez exactement combien de temps, à quelle heure j'étais mort là, mais bon là, je regarde par rapport au live là. Je commence à chercher à partir dans les 33 là, dans ces eaux là. C'est là que j'aurais dû avoir mon sac. Moi j'ai attaqué cet enfoiré. Il n'y a absolument plus rien, il n'y a plus rien, plus une trace de... Lui il n'y a ni le corps ni le sac. C'est morte ça, là c'est cuit, à mon avis il n'y a plus de trucs, je vais prendre les machins de merde qui restent et puis voilà. Putain, je vais remettre le gamin normal là parce que sinon on n'y voit absolument rien. Obligé de reprendre de la merde là maintenant. Ah bah, c'est sûr, hein. Qu'est-ce que cette connerie? Dino Glass Skin? Qu'est-ce que ce machin encore?
ce que c'est que ce truc là. Balance-moi ça. Hein. Tiens, si, il y en a une autre pique. J'ai tout perdu, même ma gourde. Ah bah j'ai perdu l'arc aussi. La boussole. Putain. Je prends l'arc, mais bon, je m'en fous, j'ai pas de... Je sais pas pourquoi, j'en ai pris 4, on dirait des machins. Alors les vêtements, je crois qu'ils sont à l'étage. Putain, que de la merde, quoi. Des machins en tissu, quoi. Cette merde là, je balance ça par terre. Voilà. Alors, est-ce que ça pousse à cette connerie? J'ai perdu mon putain de sac avec tout là. Alors hop, j'ai récupéré du machin. Hop, j'ai replanté le pot, là il y a un pot de trucs que j'ai trouvé là dans un machin, je vais le poser, ça fera pour la culture en plus. Je vais en rajouter d'autres. À mon avis, je pense que dans la longueur, ça devrait passer. Ah là, il passe. On prend du narco. Sans le balancer dedans. Alors, j'ai 23 de narco. Narcotique du moins, puis le reste j'ai en baie. Qu'est-ce que je peux capturer comme saloperie là? De toute façon, un carnivore c'est mort quoi, puisque bah, j'ai aucune viande. Si je capturais cette saloperie là. Niveau 31, comment je vais me faire pour le coucher, cette merde là. Même pas de flèche soporifique. Stone, stone. Si, j'ai des flèches tranquillisantes.
contre, c'est un niveau de merde. Pour un niveau plus petit là, parce que 31, c'est pas le top là pour le faire pour l'XP. Et pour prendre aussi d'autres flèches là. Il y a plein de stone. Plein de flèches en stone là. Là, il y en a un autre là-bas. Comme ça, au moins, il y aura un tricératops, ça, parce que pour récupérer les plantes, c'est la merde. Là. Lui, il est encore plus gros, 45. Là, c'est celui qu'on vient de voir, à mon avis, niveau 31. Ah, je suis déjà affamé quoi. Froid. C'est non-stop là. Hein. Pas le temps de. J'ai pas le temps d'aller. T'as un truc déjà qu'il faut que je bouffe quoi. Des baies là. Bien sûr, j'ai plus de bouffe. Hein. Et bouffe pas tout ça. Hein. Pas besoin de toute cette merde dans l'armoire, c'est la fibre ici. Bah, du touch, il y en a suffisamment. Tac, tac. Je le fous dans le recyclage. Ah bah, c'est pas près de marcher que ça fout là aussi. Il n'y a pas assez de place pour que ça se transforme. Putain. Il y a partout du charcoal. Ça n'a rien du tout, cette saloperie là. Hop, on balance tout. J'ai dû en vider au moins une armoire complète de cette connerie. Voilà. Les graines, bah, ça sert à rien. De toute façon, on n'a pas assez de. Assez cordé. C'est une blague. Hein. Putain, je lui disais, mais qu'est-ce que ce truc? Des bugs. Hein. Alors, je suis à la moitié de bouffe, mais bon, c'est pas pour autant que. Alors, quoi bien lui les 31.
Y'en a pas un autre là? De toute façon, il n'y a pas assez de bêtes. De toute façon, j'ai pas assez de bêtes pour le nourrir, un truc de merde comme ça. Déjà, est-ce qu'ils ont assez à bouffer là? Pfff. D'accord. Lui, il a pas de bouffe, et lui là. D'accord, lui aussi, il a pas de bouffe. Ouais. Trompe d'armoire. Oh bah, je vais pas me prendre trop la tête, hein. Je pense que je vais capturer celui-ci, puis on verra bien. Hein. Même si j'ai pas de baies, on les ramassera au pif. Hein. Là, il y en avait un frigo plein, quoi, c'est tout tombé en rade de machin. Hein. On a ramassé des tonnes. Hein. Et hop, on lui met dans le cul. Hein. Ah putain, c'est pas la bonne flèche. Au moins que je m'en rends compte là. Putain, oh, c'est violent ça, de saleté. Hein. Ça fait pas effet ou quoi? Ah putain, va pas t'en mêler la tortue là, je suis en train de le... Même la tortue, elle est conne, hein. Mais t'es vraiment conne, saloperie de tortue, hein. Putain. Ah, on n'est pas aidé, hein. Il n'y a pas d'autre monde, on n'est pas aidé, hein. Ah, putain. T'es vraiment une merde, comme tortue, toi. Hein. T'es vraiment conne, hein. Putain. Elle me bute le machin que je suis en train de capturer, quoi. Oh, elle est pas sortie de l'auberge avec une série de dinos à la con. Viens, la tortue, là, viens. Viens, putain de tortue, là. Viens.
Vas-y, va te baigner un peu là, te faire bouffer un peu par un mégalodon, tu m'arrangeras. Vas-y, vas-y. Vas-y, amuse-toi avec les requins un petit peu, tu me diras si t'es si forte, sale pute. Allez, fais-toi bien bouffer, saloperie. Bah. Ah putain, hein. Vraiment pas aidé. Hein. J'ai balancé plus d'une dizaine de flèches, j'ai tout perdu à cause de cette saleté qui vient s'en mêler dans l'histoire, quoi. Ah putain. Ah, puis en plus, ouais, il m'a niqué la canalisation, je vois. Bah, super. Bah, pas de mieux encore. Ça pourrait pas prendre feu aussi, la maison, tant qu'on y est aussi. Hein. Ah, super. Hein. Allez, on bouffe la viande. Hein. Bah, à défaut d'avoir la bestiole. Hein. Putain, il m'a niqué le truc. Comment ça se fait que le machin il m'ait pété ça là? Je comprends pas là. Il est même pas venu ici le bordel et c'est pété. Alors pareil, ça c'est encore un mystère là. Putain. Là, y a plus rien. Plus de flotte, y a plus rien. Putain de merde. Alors encore un autre truc à réparer. Putain, j'ai chier de devoir réparer des trucs là, pour que dalle. Là. Alors ça on met au frigo. Ça je vais le balancer. Hop ça. Je vais récupérer la viande au moins. Ça sera déjà cette fait. Allez, on va récupérer de la pierre. On doit reconstruire tout l'arrosage. Putain. C'est quoi ça encore? C'est pas une bonne pipe? Voilà. Il faut que j'en construise. Il faut que j'en construise. Et non, putain. Avec ces putains de touches là. Heureusement, ça a appelé personne. Alors, on va recommencer. Hein. Il faut que je répare toutes mes conneries de pipe là. Il me faut du bois. Allez hop. Quelle connerie, tiens. Encore un truc. Putain, il en faut combien là? Je vais pas en avoir assez. Hein. Voilà. Maintenant, on va mettre le putain de truc en croix là. Ah,
Maintenant, on fait partir sur les côtés. Ah, j'en aurais pas assez, hein. Ah merde. Putain, je me fais toujours avec ces touches pour siffler. Là, il y en a au moins, je sais pas combien. Là, il y en a 4 et à première vue, ils veulent encore en rajouter, hein. Allez, maintenant on construit la connerie là de d'irrigation. Super, il n'y a pas assez de pierre maintenant. Putain, j'arrive pas à la poser. Hein. Qu'est-ce que ce délire hein? C'est bon. On va se mettre en vue intérieure parce que. Eh, c'est reparti. Putain. Qu'est-ce qui va nous faire chier, lui, hein? Tu veux faire de la boxe, saloperie, viens. Viens te battre, saloperie. Ah, tu me craches à la gueule en plus. C'est bien, lance-pierre, tu l'as bien défoncé cette saleté. Tu me feras de la bidoche en plus. Tu l'as bien poutré, c'est bien. Alors, mais il me fallait de la pierre en plus, il n'y a plus rien. En pierre, il faut prendre la hache. Ah bah, il y en a partout. J'ai déjà faim, putain, c'est infernal. Hein. Le mec, il a tout le temps faim, quoi, dans le jeu. Hein. J'ai même pas encore le temps de... Là, en fait, j'ai rien fait. En fait, j'ai perdu plus de trucs que j'en ai construit, quoi. Faut que je reconstruise encore une connerie de pipe, il faut que je reconstruise à l'intérieur le versoir. Coco? Oui? Tu voudrais pas un petit oiseau comme dédommagement? Ah, de toute façon, j'ai pas de sel, et puis bah là, j'ai rien, j'ai pas de bouffe, j'ai plus rien, tout est mort. Je suis en train de dresser un pétranodon, je pourrais te le donner. Ouais, mais bon, le problème c'est que, comme je dis, hein, j'ai pas la selle, c'est faut être niveau 35. Ah, la selle, je peux la crafter, moi. Et bah, si tu peux la faire, c'est pratique. Hein. De toute façon, là, j'ai. Le problème c'est. C'est ça, j'en ai encore pour peut-être 30-45 minutes de timing, là, mais la selle, je vais pas les être portés. Le truc c'est que, de toute façon, j'ai même pas. J'ai plus de bouffe. Parce que ils sont morts, les deux dinosaures. Viens me voir à ma maison, je vais te donner ce qu'il faut. Alors, t'es en train de crever la tortue là sous l'eau? Ça me fait bien marrer. Bah, je me casse. Saloperie. Là, j'allais avoir un tricératops. J'ai perdu le tricératops à cause de la tortue. À cause de tortue, hein. Faut t'en mettre en passif la tortue pour pas qu'elle attaque tout ce qui bouge. Bah, lui, il a pas bougé quoi. Pourtant, il est en. Merde, je peux pas le voir lui ce qu'il est. Normalement, il est en passif. Hein. Attends, est-ce que c'est. Cycle régression tout passif.
Attack your target. Moi, je vais le mettre en attack your target, tu sais. Et en quoi elle aide cette conne? Elle est en neutral, elle était. La tortue elle est en neutral et. Vas-y, j'attaque quand même. Non, faut que tu la mettes en passif pour pas qu'elle attaque. Parce que le neutral ça fait quoi? Elle attaque tes targets, elle peut pas même faire l'attaque ce qui attaque les autres. Donc il faut la foutre en passif, c'est pour ça qu'elle a attaqué cette saloperie. Hein. Mmh. Hors plan chulo. Hein. Mais en passif, je suis même pas sûr s'ils se défendent quand ils sont attaqués. Hop. Passif, ouais. Putain, mais elle reste sous l'eau longtemps cette saloperie. Hein. Alors, maintenant il faut que je récupère quoi maintenant? Il faut que je refabrique ma canalisation. Il faut que je coupe des pierres. Tout ça pour fabriquer mes machins. Et hop, voilà. Ah bah oui, je sais que je suis fatigué, bah c'est sûr. Alors, on va pouvoir reconstruire mon main. Putain, mais c'est pas possible. C'est le bois qui manque, quoi. C'est... Voilà, alors j'ai réparé ça, déjà ça. Hein. Alors maintenant. On va reprendre Cocotte. Non, pas Cocotte. C'est. Lance-pierre, lui. Et on va le garer ici. On va choper de l'herbe là. Enfin, des machins, des baies là. On va tout vider, on va pas s'emmerder. Lui leur a bouffé. Ah, il avait faim. Hein. Il était en train de crever de faim. Hein. Putain. Ah, la galère quoi. Oh, putain, faut déjà que je remange quoi. C'est un truc de fou, il a tout bouffé le truc.
C'est un truc de fou la bouffe là, comme ça tombe à toute vitesse quoi. On va prendre tout hein. J'ai pas pu le donner à l'autre hein. Fais-moi flamber. Je sors un tank à rien à voir hein, autant. Voilà. On le balance. La fibre, on la garde pour l'autre coffre. Pour le coffre fibre. Allez, encore un. Voilà, la tortue qui est en train de se faire bouffer la gueule. Allez, vas-y, là. Fight talk contre les mégalodons, saloperie, va. J'ai hâte de devoir te défendre. Ah, tu fais moins la fière, là, maintenant. Hein. Saleté, va. Crève bien. Allez, vas-y. Montre-moi comme t'es forte, la saloperie. C'est à cause de cette saloperie que j'ai perdu le... Bah, et toutes mes flèches tranquillisantes, là. Ah, mais j'y crois pas, mais elle est en train de les défoncer ou quoi, là? Impossible, il y a deux mégalodons sur sa gueule, quoi. Faut croire qu'elle peut résister. Ah, on dirait qu'ils abandonnent les mecs. Là, ils font plus rien. Qu'est-ce que ce truc là? Il y a Poulette qui vient de se faire buter là. Je sais pas, il a m'acheté plein de trucs là. Je sais pas, des trucs imprimitifs. Par contre, la poulette vient de se faire attaquer là. Putain, poulette. Elle vient de se faire attaquer par un dilo. Viens vite toi. Putain. 12 dilos de merde là. Il y a un dilo qui vient de tuer ma poulette là. Putain de merde, l'enfoiré est passé où ce dilo de merde? C'est lui là? C'est toi saloperie qui a buté ma poulette là? Défonce-le moi là, lance-pierre. Défonce-moi cette saloperie. Putain. Lui, il vient, il me défonce ma poulette là, ce truc de merde. Putain. Crève, saloperie. Hein. La poulette, lui, elle demande rien du tout. Elle était toute gentille. Et en plus, il faut qu'elle se fasse bouffer par un putain de dilo, là. Elle a bouffé ce truc aussi. Hein. Il aurait pu attaquer la tortue, plutôt. Hein. Ah, mais il est inconscient, lui, putain.
Qu'est-ce que je fais? Faut pas que je tape, que je suis fou. Faut pas que je tape. J'allais le découper pour bouffer, quoi. Oh, la tortue! T'es où? La tortue! C'est bizarre, je l'ai pas vu crever et pourtant les requins ils sont toujours là. Et j'ai pas l'impression qu'ils se fightent encore. J'aurais peut-être dû comprendre qu'elle m'avait bien fait chier quoi. Allez, narcotique, bam. Allez, putain, j'arrive pas à rentrer dedans, quoi. En train de tomber de faim. Viens là, viens, viens là le machin. Tu restes là, hein. Tu bouges plus. Hein. C'est con, hein, mais il n'y a que le parodon qui est pas con dans l'histoire, j'ai l'impression. Hein. Et c'est bizarre, je comprends pas. Le machin il marque Tamam Bijef JF, je vois. Je comprends pas le truc là. C'est bizarre là, je comprends pas, il y a un. C'est que j'ai lancé une flèche avant de partir. Parce qu'il y en a un, il est inconscient là et c'est marqué toi dessus. Tmap GF serveur. Qu'est-ce que ce truc tout en petit là? C'est écrit tout en petit. Et j'arrive pas à rentrer dedans. J'arrive pas à l'ouvrir pour lui mettre le narcotique là. Alors si tiens ouais, c'est les matchs primitifs citrine. Ah c'est les fameux, c'est la fameuse armure avec les machins de avec le truc de comment on appelle ça là de scorpion. J'ai jeté mes poubelles là, machin pourri là. Voilà à quoi ça ressemble au niveau armure. Et voilà, c'est ça la fameuse armure en. La fameuse armure en citrine. C'est pour ça que la dernière fois quand on s'était fait buter par un mec là, à la con quand on capturait une bestiole, il était tout en rouge. C'était ça. C'était cette fameuse armure à la con de citrine. C'est pour ça que j'avais vu un mec tout en rouge. Ouh, qu'est-ce qui tombe là? C'est niveau 25 bien sûr. Ouais, bah, ouais. C'est un rayon bleu ça. Est-ce qu'ils sont là? Ils y sont là les requins, on les voit. Que ce truc là de glace. Machin de lunettes. Là. Il a des lunettes sur lui, le dinosaure.
les pêches là, pas bien là, la vie elle... Normalement on peut remonter son on remonte son taux d'inconscience en lui mettant des patates quoi. Parce que là j'arrive pas à le capturer. Ah bah voilà, c'est pas trop tôt. Saleté, hein. Crève bien. Alors elle a mis le temps à crever, hein, cette saloperie. Hein. Ah, pas de cadeau. Hein. Là, elle m'a vraiment fait perdre ma capture. Qu'elle crève, elle est totalement inutile, cette putain de tortue. Qu'elle serve de repas au mégalodon, c'est parfait. Ça me débarrasse au moins d'un dino bien inutile quoi. Alors ça je m'en fous. Au moins j'ai récupéré mes tranquilles. Ah non, il a dû me les donner je pense. Parce que je pensais pas en avoir autant. Fiber, voilà, il est là. Et lui, je le mets au frigo. Voilà, bien, de toute façon, je vais la faire cuire, hein, puisque de toute façon, il n'y a plus d'animaux carnivores, là. Que j'en recouvre, ouais, c'est impossible. Faut que je recapture un autre dilot et que je trouve de la viande pour lui faire bouffer. Alors déjà, il faudrait que je trouve suffisamment de bestioles à buter pour trouver de la viande. Je vais remettre ma gourde aussi. Hein. Un autre là-bas. Je vais le planter lui. Je vais pas m'amuser à le capturer puisque de toute façon j'ai pas, j'ai rien pour le nourrir. Donc j'ai mieux fait de le buter. Reprendre sa pidoche. À manger. Voilà. Ça c'est fait. Aide. Il me faut du bois hein. Et après lui là je peux pas encore le capturer hein. On va le buter hein. Solide la saloperie. Hein.
Allez, tu vas crever. Hein. Putain, j'arrive pas à le buter, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Machin, il est blindé, quoi. Viens, viens, toi, lance-pierre. Viens me défoncer cette saloperie. Hein. Viens m'aider. Attaque. Je veux pas attaquer. Putain, j'arrive pas à le défoncer, quoi, le truc. Y'a rien, quoi. Je vais y passer ma pioche et mon... mes deux outils, hein, je vais y passer. Putain. J'arrive même pas à le capturer, le bordel. Pas le capturer, j'arrive même pas à le buter, quoi. Putain, j'ai beau taper, ça fait absolument rien. C'est même pas localisé, hein. Je pète ma barre, j'ai pété ma hache. Là maintenant j'ai pété la pioche dessus. C'est vraiment de la merde, hein. Y a rien qui est solide, quoi. Le machin, on peut même pas le buter, quoi. Il est blindé, quoi. Y a un truc qui va pas là. Du ou du touch. D'accord. Bon, d'accord, il n'y a même plus. Pas m'emmerder. Je vais prendre carrément une nouvelle hache. Allez, je vais en défoncer. Il n'y a plus de bois, quoi. Il n'y a plus aucune ressource. Ça, je vais balancer, hein, une pointe toute seule. Ça sert à rien du tout. Bah ça, je vais le reposer, hein, étant donné que le machin, je peux pas le capturer. Hein. Je vais même pas le buter pour le bouffer, quoi. C'est un truc de fou. Hein. J'en garde une. On va boire un coup. On va regarder où on est. Belle. Pour moi, ça fera des...
ça fera des narcos pour la prochaine bestiole que j'ai capturée. Ça sera pas une merde, hein, ça c'est sûr. Je vais pas m'amuser à capturer encore un truc qui va me déranger là, les pattes. Parce que lui j'aurais bien pris, mais impossible. Les autres animaux à la con là, comme la tortue, c'est terminé. Hein, j'en prends plus une seule de ces saloperies. Ça m'a foutu la merde là tout à l'heure. Que j'ai cherché un crocodile quoi, le problème c'est que c'est, il faut de la bidoche quoi. Ouais, toujours pas saloperie hein. Là, le truc il est blindé quoi. C'est des flèches comme ça. Est-ce que si je vais au contact, je les récupère? Ah, ça c'est un bon plan. C'est bien les flèches au moins, là je peux tout lui balancer dans le cul. Bon, par contre après c'est le l'arc qui prend en dégâts, mais bon. C'est juste même pas. Hein. Ah non, il m'a pas tout rendu là. Ça lui fait absolument rien. Ça lui fait absolument rien. Je lui fais chier à lui tirer dessus. Ça lui fait rien du tout. Même pas récupérer la bidoche. On est tout le temps en train de fermer quoi. J'ai l'impression de tout le temps être en train de couper du bois quoi. Ou de récolter des baies. Tout le temps. Je suis toujours en train de farmer quelque chose. C'est dingue quoi. Quand c'est pas des arbres, c'est des baies. Quand c'est pas des baies, c'est du caillou. Quand c'est pas des cailloux, bah il faut buter des bestioles pour la viande. Je suis toujours en train de farmer là. Et là encore, j'ai ramené à que dalle. Hein. Saloperie. Le machin, je lui mets des coups de pioche dans la gueule, toujours intact.
Oh bah, je récupère des vins. Hein. Bah, ce soir, bah, il faut bien que je nourrisse. Comment ça s'appelle là? Le parosaure. Puis éventuellement, bah. Un triceratops que je peux coincer là, et puis que je peux enfin capturer là, sans être emmerdé là. Par un dino à la con là. Parlant des dinos à la con là. Si j'allais voir les deux autres merdes là que j'ai laissé là. Est-ce qu'ils ont compris maintenant qu'ils m'avaient bien fait chier? Ils doivent être par là là. Là où bien sûr j'ai perdu mon sac là, sans hop. L'autre il devait s'appeler Copperfield, le machin il m'a étouffé mon sac avec mon matos quoi. Ils sont toujours là. Alors là, les deux cons là, vous avez compris hein? T'as compris toi la vachette là? Terminé de me bloquer le passage hein? Et toi là, le grandio là, hein? Ah, tu me regardes pas de travers. C'est comme ça qu'il faut les éduquer, les dinosaures. Hein. Faut montrer qui c'est qu'elle bosse là. Hein. Allez hop, toi tu prends ton niveau. Et toi la vache, tu vas me faire du lait, hein? Allez hop. Et hop, on rentre à la maison, hein? Et pas d'histoire, hein? Et avance, Stego. C'est toute une éducation, hein. Tiens, bouffe, toi. Ah bah, si tu veux pas bouffer des plantes, hein, moi, je fais rien. Quel cul d'hippopotame, hein. Je cours un peu, parce qu'on s'ennuie, là. Ça te fera un peu de sport. Hein. Ah, c'est rien, c'est rien. C'est sûr, ça te fait forcer un peu sur les pattes, mais bon, au moins tu seras rodé la prochaine fois. Saleté. Hein. Allez, avance. Ah, comme il faut les dresser, hein, ces bestioles. Oh. Allez, pas bouger, hein, tu restes là. Voilà, lui au moins, ah ouais. Regarde, au moins le stégosaure, il est deux fois... Le stégosaure, il doit, je sais pas être combien plus gros, il doit être quatre fois plus lourd. Et lui, au moins, il prend la peine de courir, quoi. Oh, la vachette, vraiment... C'est bien le stégosaure, c'est bien. Pour la prime, toi, est-ce que je te donne 2-3 bains à manger. Ah oh, putain, mais le machin, il va... Je sais pas, il avait déjà suffisamment mangé, en fait. Bien, bien. Et au moins, il a bien couru, quoi. Je vois que GF, il me balance des trucs, là. Ah, il m'a renvoyé des machins que j'ai perdus, là. Pour me remplacer mes machins tout pourris là. Mon spire en bois. Là. Ça je vais le refoutre dans le sac. Le spic ça je le garde quand même dans le. Dans l'inventaire. C'est pas un truc de merde quand même. Parce que le spic on peut le lancer contrairement à. À la lance de fer, on peut lancer les lances en bois. Le spire là. On range. Ça, on range aussi. Ça, c'est pour le frigo. Hop. Pierre, je vais mettre dans l'armoire à pierre.
Ok. Qu'est-ce qui t'arrive, Lanspire? Ah, bien, t'as pris ton niveau. Je te donne un peu en stamina. C'est parti l'autre là. Il s'est réveillé le machin, il a dû se tirer quoi. Il a dû se dire putain. On reste par là. Bah c'est bien, bouge pas. C'est bien comme ça. Parce que lui va venir tout nous bloquer. Putain, quand je pense à Bibi Pépé Coyote là, qui sont fait bouffer par la saleté là. Pas enfin, bouffer non, ils sont fait défoncer par le stégosaure à la con. Putain. Stégosaure à la con. Faut déjà en bouffer un peu parce que je suis en train de crever. Allez, on va couper des arbres. Sans rien d'autre à foutre. Hein. Ne voir les bestioles, c'est fait. De toute maintenant, il n'y a plus que des baies, alors c'est réglé l'histoire. Salut à toi, Feriox. Vivement que je capture vraiment un truc qui soit méchant, quoi. Un raptor, un carnot, sinon, là, s'il y aurait eu. Ouais, le top ce serait le T-Rex hein, mais bon. Le problème c'est qu'il faut suffisamment de viande pour pouvoir le capturer le T-Rex. Bon moi l'avantage du T-Rex c'est ben. Y a plus à trop se faire de soucis pour savoir si on va avoir ramené de la bouffe ou pas quoi. Voilà, bah c'est un truc vert mais bon. Ça fait bien loin pour pas être sûr de trouver quelque chose forcément intéressant. Alors on remonte un petit peu le stock là de touch et puis de bois là parce que rien plus du tout. Hein. Tout est vide. Ou un canon. Je suis que niveau 23 quoi. Faut que j'arrive au niveau 24 pour pouvoir au niveau 25 pour pouvoir déjà faire des nouvelles recettes, des nouveaux trucs. Et ensuite faut attendre niveau niveau 30. Hey!
Au moins là, on aura de quoi faire. On aura de quoi faire du feu là. Hein. Ah, j'arrive, j'arrive, là, c'est bien. Ah, ça fait un bout de temps qu'il a allumé le truc vert là-bas. Je comprends pas que ça soit aussi long. Normalement, ça disparaît rapidement, quoi. D'accord, lui, hein, il en reste là finalement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est toi là le pterodactyle là qui fait ton bordel là? Saleté là. Facile, lui il peut s'enfuir là. Ça m'a fait un nouveau fertiliseur. Récupérer les machins. On va s'embêter, hein. On va les épuiser complètement, les machins. Ce sont il faut de la bouffe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer de la fibre? Qu'est-ce que c'est long à la main? Allez, tiens, hop, lui donne la bouche. Tiens,
ça on va le balancer dans l'autre là. On se fait le rat de la bouffe ça lui. D'accord, donc la ceiling. Donc on voit que c'est en train de pousser là, la narco. Tout en feeding. Lui il est en fruiting. Donc faut attendre qu'il soit en midding. Donc c'est de floraison, je pense. Là il est en train de. Je sais pas comment. Alors, là il est en train de pousser. Ensuite il sera en floraison, je pense. Ensuite l'autre, c'est là il est en fruit, fruiting. Enfin il y a les fruits. Il faut attendre toutes les étapes pour obtenir les narcos. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui passe derrière? C'est un parodon. Enfin, un parodon. Parosaure plutôt. J'en suis très loin du niveau encore. Ensuite très loin et là c'est encore juste pour passer le 24 hein. J'ai froid, d'où c'est qu'il a froid? C'est 13 degrés quoi. De merde là. C'est vachement long hein. Putain c'est et on pose ça au frigo maintenant. C'est très très long, hein. Il faut tout farmer. Hein. C'est la prise d'eau pour la prise d'eau pour l'intérieur. Est-ce qu'ils sont toujours là les mégalodons? Non. C'est loser. Allez, 2000 de points de vie, c'est clair que là, il y a du morceau. Hein. J'ai
Oh, dommage que j'ai pas la selle. C'est ramener de la bidoche. C'est bon. Vas-y. Pas courir, allez, c'est bon. Je vais pas courir sans s'étendre derrière un truc. Le machin il se bloque. C'est bon. Ouais. Pas courir dans toute la carte à travers un parosaur. Hein. Direct en courant, machin. Barre-toi. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est un tricé ou c'est un carnot? Un tricé. Bon, et eh bien il me dit que j'ai faim encore. Voilà. Constamment il a faim. Et hop, mettre en morceaux de viande. Ça devrait me faire arriver à 70 à peu près. 40. Même pas. Même pas 60. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas extraordinaire hein. Trois trucs de viande. Je pense qu'il faudrait en avoir au moins 5 pour remonter la vie complètement. Ok, il a tué les machins pour avoir de la viande facile. Rien du tout. À prendre un petit peu encore des baies, hein. De toute façon, j'ai pas trouvé de quoi buter une bestiole, j'ai pas trouvé de petite saleté en fait. J'ai trouvé une. J'ai trouvé des didos, ou des dilos même. C'était la preuve facile quoi. Les machins qui foutent le camp, c'est impossible. Faut les coincer sinon.
que tes autres pousses, ça sert à rien, juste des trucs. On va aller chercher du métal là. Parce que du métal, oh, c'est. Il n'y a plus rien. Donc on va le prendre par ici, le métal. Hein. C'est l'endroit où ça avait le mieux donné. Hein. Ah, bing, un métal. Un deuxième. Alors dire qu'il faut deux machins de métal pour faire un lingot. Alors s'il faut 5 lingots pour réparer un truc, ben on n'est pas sorti. Hein. Et un métal de plus. Ce qui me fait le plus peur, c'est quand je vois la vitesse où ça chute la santé du machin. À 4 métal seulement, je croyais qu'il y en avait 5. En fait, le métal que je trouve, c'est ce qui va me permettre de réparer ma. En fait, je suis en train de trouver le métal qui va me permettre juste de réparer ce que je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire ma pioche en métal. Allez, encore un de plus. Allez, inspire. Oui, hein. Allez, on ouvre la forge, on balance le métal. Donc il va en prendre deux pour faire un lingot. Il y a quand il veut. Du bois. Super. Il aurait fallu un de plus, ça m'aurait permis de faire moi le. Voilà, ça en fait deux de plus dans l'atelier.
Toujours en seeding, donc rien qu'à pousser. On va essayer de choper encore un peu de métal là. Qu'il faut être plus être près de la flotte. Ça va me coûter plus cher que ce que j'ai trouvé. Le film, j'en ai pas tant besoin que ça. Hein. Là, j'ai quasiment fumé ma pioche. Il n'y a que dalle. Une pointe de métal. On va la réparer. Il me récupère un lingot quand même. Ça, je vais attendre un peu. Parce que là, il veut carrément bouffer les deux derniers lingots qui restent, juste pour ça. Hop, on a lui là. On en fera de plus. On balance ça dans l'atelier, voilà. Putain, il y a du flint, il y en a trop. Ça pousse pas vite hein, les plantes. Hein. Ouh. Ah, la foutre à part farmer. Hein. De toute façon là mon niveau il monte pas tout, il veut pas monter hein, donc faut à tout prix que je fasse des conneries pour que ça le fasse monter donc là, on a c'est du farm mais à fond hein.
J'espère que le machin il va tenir longtemps là. Là, je parie que demain il n'y aura plus rien. Là, je sens gros comme une maison. Parce que j'en avais mis quand même plus d'une vingtaine à des. La poudreur, la sharp poudreur. Et ça n'a pas empêché que les frigos tombent en rade. Hein. Dans les frigos. On est dans le stock. Les stones. Un truc vert, c'est de mon niveau, mais bon. Ce qui est arrivé, le machin. Il n'est pas arrivé puisqu'elle est claire, sinon on l'aurait vu tomber. Mais bon, c'est un truc vert, donc à part peut-être des trucs de d'irrigation, qui pourraient vraiment être intéressants, le reste. Ça sera que des trucs pour le niveau 13, hein, donc faut pas s'attendre à du matos exceptionnel. Parce que je vois pas descendre. Soit le truc il est déjà tombé. Soit il est grave en retard. Rien du tout, hein. Ça y est, si, il est en train de descendre. La paroi dehors. Ça, moi, je pense que je vais pas tarder là. Il est 2h15. Histoire d'être en forme pour demain là. Surtout que demain, j'ai streamé. Des nouveaux jeux. Des nouveaux jeux, en tout cas il y en aura un tout à fait nouveau. Personne n'a encore vu, personne n'a encore vu. C'est que vous avez peut-être vu, mais bon, en tout cas que moi je vais streamer pour la première fois. Ce sera une surprise. On va regarder, faire teaser du touch. On va reprendre du touch et on va le foutre là pour faire du d'engrais. Au moins ça c'est quelque chose au moins qui marche. Connerie de lunettes là. Item skin. D'accord. Comment je fais pour virer ces conneries de lunettes là? Parce qu'en fait, je me suis mis des putains de lunettes en skin alors que j'avais le casque en citrine.
mal foutu ce truc. Clairement nul quoi. Je me retrouve avec une paire de lunettes de soleil alors qu'en fait j'avais un casque. Mais en gardant les paramètres du casque, c'est pas terrible hein. Je voudrais récupérer mon casque. Les putains de lunettes, merci quoi. Hein. Demain je stream dans l'après-midi. Demain je stream en début d'après-midi. En début d'après-midi, je sais pas exactement quelle heure, mais ça sera pas en soirée. Hein. Je vais streamer dans l'après-midi. Hein. Ça c'est sûr et certain. Bon bah super, je me retrouve avec pleines lunettes de soleil. Juste parce que j'ai appliqué le putain de machin de lunettes sur le bordel. J'ai pas moyen de les dissocier, là, Le skin, là, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment la merde, le truc. Quoi. On applique par-dessus et... Et bing Bing c'est associé quoi, mais on peut pas le dissocier. Ils auraient dû faire au lieu de faire un système de skin, ils auraient dû vraiment faire une crafter à part entière un objet quoi. Parce que là en fait on a un objet qui est fixe, qui lui a sa propre image, et ensuite on vient appliquer un machin par-dessus qui va modifier complètement l'apparence générale. C'est mal foutu quoi. Juste parce que j'ai posé des lunettes sur le casque, je me retrouve, j'ai plus de casque, je me retrouve avec une paire de lunettes, quoi. Elles sont dégueulasses, ces lunettes. Voilà la gueule. Frigo nickel, il tourne toujours, j'aurai au moins du stock. Ah tiens, ouais, ce sera, j'ai plus le temps hein. Plus le temps de, c'est maintenant qu'il passe là le machin niveau 2 là. J'ai plus le temps de le capturer, puis en plus surtout c'est que j'aurai surtout pas le nombre nécessaire de baies pour le capturer là, il en faut je sais pas combien là, pour que le truc je puisse le prendre là. Ah là, le narco c'est pas le problème, là, la narco il y aura suffisamment de quoi faire, c'est au niveau des baies hein, la bouffe, parce que déjà je pense que déjà là je crois que c'est assez long hein. Il me semble que c'est plus d'une heure hein, pour le capturer hein. Donc je vais pas passer une heure juste pour capturer un tricé hein. Je préfère encore plus passer une heure pour un carnot quoi, au moins là il y aura quand même un truc un peu plus offensif, parce que ce qu'a l'avantage c'est que le tricé c'est pour collecter quoi. Je ferai quand il y aura un peu plus de belles hein. Bon bah voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vais pas insister plus, hein, de toute façon là, je me suis fait défoncer mes deux dilos, là, par cette cochonnerie de stégosaure la con, là. Enfin, je les ai vengés, le stégosaure, je l'ai bien buté. J'ai perdu aussi, mon sac, mais c'est pas grave, parce que, JF m'a refourni, des trucs en fer. Enfin, c'est une belle connerie. Hein. J'ai perdu le sac, il a disparu. Il a planté le machin, je sais pas. Le sac a disparu dans je ne sais où, quoi. Dans la quatrième dimension.
Et puis on a Poulette qui s'est fait attaquer, hein, qui s'est fait bouffer par un putain de dilo qui traînait, il l'a attaqué quoi. Donc bah, tant pis, adieu Poulette. Hein. Pas le problème, on en retrouvera une autre Poulette. Hein. Enfin bon, on a perdu quand même. Perdu quand même les deux petits dilos. Là, ça me fait quand même bien chier. Hein. Et puis bah l'autre saloperie là qui nous a bien chié. L'autre, c'est pas une réelle perte, hein, donc. C'est plus une plaque d'autre chose. Hein. Donc quoi, ouais, donc là au final, bah on se retrouve, enfin voilà, on a quand même deux dinosaures quand même qui étaient bien, qui vont manquer. Hein. On a les deux petits carnivores là, bah là, ça me fait chier de les avoir perdus, hein. Parce que vraiment là, au moins ils étaient efficaces parce qu'au moins bah, ils pouvaient défendre et puis ils pouvaient en même temps permettre de récupérer de la viande. Hein. Ça je les recapturerai hein, alors que l'autre saloperie bah, ça m'a servi à rien en fait hein, pour soi hein. Ça m'aura bien fait marrer au moins, ça m'aura juste fait perdre le temps de capturer un tricé, mais bon c'est pas gênant, j'en capturerai un autre moment. Allez, sur ce moi je vous souhaite une bonne nuit, merci d'avoir suivi le live et puis bah, je vous dis à demain en début d'après-midi pour découvrir un nouveau jeu. Voilà, vous verrez ça. Vous verrez ça. Ciao, ciao, à demain.